Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de notre aventure. Je suis en compagnie de Magora, de Defeat, Magistra et Gélu. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Arrage. Arrage l'invocateur. De l'eau invoquée, et ben c'est super, merci à toi. On va s'attaquer à Arrage pour récupérer son éclat de phylactère et son scarabée pour pouvoir faire la clé de la cholomance. On attend, voilà, des filles qui arrivent. Et dans le prochain épisode, on se fera du coup les héros de comté de Darrow. Et quand Smokey chante, je deviens violent. Ou alors, on ira faire cholomance, je sais pas, on verra bien. Allez. On buff tout le monde. Hop, voilà. On va se frayer un chemin. Et donc du coup, normalement, dans cet épisode, on va passer niveau 60. Et oui. Le combat risque d'être dur, mais on devrait y arriver. Allez, on est beaucoup de paladins, on est trois paladins, un guerrier et un mage, ça devrait le faire, en plus on a un tank, donc très bien. Il ne faut pas qu'on oublie d'utiliser, voilà, ce truc là, l'atténuateur en phase. Normalement ça devrait le faire. Allez, en avant. Donc on va voir comment le combat se passe. Alors, 15 force, 15 endurance, 459. Non, c'est moins bien. Hop. Il est juste là, donc il faut qu'on arrive à vider sa garde personnelle. Chef de guerre squelette. On va régénérer un peu de mana. On clean. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. Non, il dit non. Bon. Eh ben, allez. Hop. Allez. Voilà. Hop. Ah, ben, c'est super. Ça va aller super vite, en fait. Largement faisable en un épisode. Alors, le phylactère. Le scarabée, très bien. Et l'éclat. Et ben voilà, super. On a tout récupéré. Alors, est-ce que on peut leur demander un coup de main? On va voir s'ils sont partants. Comment ça, il n'y a qu'une par personne? Ah bah, il semblerait. Ah bah oui, le truc a disparu, bon. Eh ben on va le farm, c'est pas grave.
On va peut-être le farm alors du coup. Bon, nous en tout cas on l'a eu. C'est déjà ça. Ça nous a pris 5 minutes. J'espère qu'il réapparaît pas tous les 107 ans. On va demander sur le world. Bah, c'est nul si y a un temps de recharge comme ça. Si on peut en prendre qu'un par personne, c'est pourri. 5-10 minutes. Cinq à 10 minutes, c'est pas possible. On va trop galérer là. Bon, on va continuer à taper du monstre, ça va nous faire up comme ça. Oh bah c'est pas terrible ce truc là, hein. Un par personne, c'est franchement pas la joie. Hein. Bon. On va leur demander des fois qu'ils soient d'accord pour aller à Treval. Bon bah allez. En avant, hein. On aura profité pour faire nos deux quêtes. Faut qu'on récupère un bouquin. Et non, on peut pas les partager, c'est la suite de Tyrion Fordring. On va essayer, on sait jamais. Alors. Ah non, même pas. C'est la suite de Pamela Sente Rouge. Quinze minutes exactement. Eh ben, bon ben on repassera. C'est pas bien grave. Nous, on va aller récupérer le Libram, donc je vais mettre la suite. Il nous faut le Libram de Daville et le bouclier de Sente Rouge. Le bouclier, il est au repère putride. Non, il est là-bas, à la flétrissure de Garon. Mais ça, on peut le faire en solo, je crois.
Allez, bah c'est parti. En avant. On va manger du croisé écarlate, c'est cool. Alors, il est dans l'abbaye, le bouquin. Donc, Atreval qui est aux mains de la croisade écarlate. Il me semble que c'est là-dedans, hein, dans l'hôtel de ville. Alors, c'est peut-être pas l'abbaye, c'est l'hôtel de ville. Ça a plus ou moins bien résisté au fléau ici. Plus ou moins. Allez. Alors. De prendre une bonne rouste. Hop. On va le soigner quand même. Ah. Il est hors de notre vue. Hop. Voilà, par contre j'ai plus de mana, donc ça va être compliqué là. Waouh. La pêche qui s'est prise. Ok, allez, régène un peu. Ok. Ça c'est solotable. Ah bon, bah si c'est solotable, j'essaierai tout seul alors. On ira se faire ça après du coup, si c'est solotable, un prochain épisode. Alors, bientôt le niveau 60, c'est cool. Alors, juge écarlate. Ah ben, il est là le Libram. Il est juste ici, voilà. Hop. Ça c'est réglé. Le Libram, c'est fait.
Ah, on peut le faire si tu veux. On est sûr que ça aura repop comme ça. Ah bon, bah j'ai lu, il est parti. Ah, mais il y a une quête là-bas. Alors. On l'a pas faite celle-là. Je peux vous aider. Un travail inachevé. On m'a envoyé en reconnaissance pour affaiblir et juger les défenses d'Atreval. Certaines personnes dans l'Alliance pensent que l'importance de la petite ville n'est pas seulement d'ordre historique. Je ne suis pas là pour poser des questions quant à ce qui fait l'importance de cette ville. Je suis de toute façon bien trop épuisé pour l'instant pour pouvoir continuer. Je dois me reposer. Si vous voulez, je vous paierai largement en échange de votre aide. Commencez au sud par l'un de leurs camps et du petit rempart qu'ils ont érigé. Si vous faites vos preuves, je vous emploierai pour m'aider dans ma mission principale. Bon voyage. Ah bon, on pourra faire ça après alors. Est-ce qu'on file la peste bois tout de suite ou pas? Non, non, c'est pas là. C'est à Pestebois, à côté de Stratholme. On peut passer par la grotte. Et oui, c'est vrai qu'il y a un surveillant nérubien là-bas. Alors, c'est pas les termites, mais c'est au même endroit. Bon, bah, je pensais pas que Arraj serait allé aussi vite. C'est des choses qui arrivent, ah oui, effectivement. Allez, bah en avant. Bon, en tout cas, merci à vous, Magora, Diffit et Magistrat. Grâce à vous, on aura fait les quêtes élites. Et au vu de la durée de l'épisode, et ben, on validera sûrement nos quêtes dans le prochain. Avant de partir, du coup, récupérer notre quête de paladin pour la monture, parce qu'on sera 60. Alors, on sera peut-être pas 60 dans cet épisode, du coup, finalement. Mais c'est pas bien grave. Il faudra qu'on aille récupérer le bouclier aussi de Sente Rouge. Mais bon, ça, tout seul, on peut y arriver. C'est à la flétrissure de Garon. On devrait s'en sortir. On a bien réussi à récupérer la clé du chaudron, donc on va bien réussir à récupérer le bouclier.
En tout cas, on a les bombes. Donc on va aller s'occuper de ça. Quoique, on va peut-être bien passer 60 dans cet épisode, hein. Regardez notre barre, elle augmente bien. Alors, en tout cas, avec 3 paladins et un guerrier, on n'est pas trop embêté, ça va. Même que le surveillant, on va réussir à se le faire tranquille. Alors par contre, on a déjà plus de mana. Et partir au combat sans mana, c'est pas une bonne chose. Allez, un petit coup de régène. Ah, et ben d'ailleurs, le surveillant est là. Très bien. Hop. Voilà, il aura pas fait long feu, hein. On fait une bonne équipe, je trouve. Et ben voilà, magnifique. On va se mettre la suite de quête de ça. Construction du fléau détruite, 8. Allez. Direction le Pestebois et on va faire péter les bâtiments. Alors on s'attaque à quoi en premier? Là il y a un abattoir. On va aller voir ça. Alors là-dedans. C'est bien ce qui me semblait, ils sont élites, hein. Ah.
va lui dire ce qu'il faut, hein. Allez. On va faire péter ça. Alors. Ok. On marche un peu lentement. Hop, voilà, celle-là c'est fait. Ensuite, ici il n'y a rien. Non, celle-là. Ok. Ah, c'est pénible ce truc-là, la crie incapacitant. Allez, on fait tout péter. Voilà, et de deux. Je me mets ça. Voilà, super. Alors, l'entrée est là. Bon, on arrive à la fin de l'épisode, certes. Je me demande si je vais pas faire durer un petit peu, quoique. Pas forcément. Bon, j'y ferai péter après. Hop, allez. Trois sur huit. Alors, c'est les ziggourats et les abattoirs. Ok.
pense que clairement tout seul c'était pas faisable. Hein. Hop. Ok. Allez, on va faire durer l'épisode parce qu'on va passer niveau 60. On en a fait la moitié. On aura fait même plus que la moitié dans cet épisode. Donc c'est parfait. Me revoilà. Alors désolé, hein, j'ai eu une petite coupure. Je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, on a perdu le contact. On a perdu le contact, mais bon, c'est pas grave. On va terminer cet épisode. Oh, pas mal. Alors, 403, 12 force, 12 endus. Eh ben, allez, on les prend. Super. Magnifique. Bon, ça c'est fait. Allez. On va tout faire péter. Voilà. On en est à 5 sur 8. Super. Bon, et puis nous, on se retrouve du coup dans le prochain épisode pour terminer cette quête et valider les quêtes de la Cholomance. Quoique... Allez, tant pis, on pousse la durée. Je suis en train de voir ma barre d'XP. Non, allez, on continue. La fin est proche. Niveau 60 est proche. Donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez. Ce sera sûrement la dernière. Ça va nous permettre de up, je pense, cette ziggourate. Pour cette fin d'épisode, on va avoir le droit à notre 60e niveau, je le sens. Il ne manque pas grand chose. Ah bah non, même pas. Plus que 800 points. Épisode de 40 minutes, mais c'est pas grave. Il nous reste deux ziggourats, enfin deux bâtiments.
Il y a un abattoir, pardon, qu'on n'a pas fait encore. Qui doit être par ici. C'est ça, il y en a un là. Il y a l'abattoir qui est là. Il en manquera plus qu'un. Allez, 60e niveau bientôt. Je vais y faire péter tout de suite. Voilà. Hop. Ah, un dernier mob. Il nous manque un dernier mob. Eh ben ça tombe bien parce qu'on aura fini la quête du coup. Un dernier bâtiment et un dernier mob. Bon bah je crois que c'est celle-là. Ça doit être celle-là, la dernière ziggourate. Je sais pas si on l'a pas déjà faite celle-là. Bon, on verra. En tout cas, normalement, on up. On prépare notre petit message. Ah, magistrat, la pauvre. Et voilà. Ça y est. On a notre 60e niveau. On est niveau 60. Enfin, notre 60e niveau sur Vanilla. Ça y est. Et on a terminé nos bâtiments. Alors, hop, allez, on file voir Arrage. Nous, on se dit à bientôt ici et dans le prochain épisode, eh ben, on aide Magistrat à faire Arrage et nous, on va valider nos quêtes et récupérer le bouclier de Sente Rouge. Moi, je vous dis à bientôt, salut. Les nouvelles sont bonnes ?